C'est quelqu'un qui appelait les gens à célébrer la Saint-Marc-l'Épine le jour de l'anniversaire du massacre. Quelqu'un qui avait comme une rage là, contre les femmes en général. Vous allez payer pour ce que vous faites subir aux hommes. Nous te vengerons au Marc-l'Épine. Ça fait plus que 30 ans que la tuerie de Polytechnique a eu lieu. Pourtant, encore aujourd'hui, la haine des femmes est omniprésente et les armes à feu pullulent dans les rues. Marie-Joanne et moi, on est des acteurs. Fait qu'on a décidé d'écrire un show de théâtre autour de ça. On essaie de comprendre comment ça se fait qu'on en est encore là. En allant à la rencontre de ceux qu'on comprend pas du tout. Puis ben, ce balade aussi, il suit nos démarches en vue d'écrire la pièce. J'aurais bien aimé attraper une femme, la pendre par les couilles avec une corde en pleine nature. C'est des gars qui sont fucking en souffrance. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est comprendre. Les pistolets, les revolvers, les armes semi-automatiques. J'ai toujours trippé là-dessus. Mais toi, t'en as combien des armes à feu? J'en ai une trentaine. J'ai peur que ça brise quelque chose en moi. On s'en va quand même parler à quelqu'un qui a dit que ma cousine elle mérite d'être morte. Polytechnique, c'est un des dossiers les plus émotifs qu'il y a au Québec. On se réveille seulement quand ce soir, il y a une tuerie ou des féminicides. Projet Polytechnique, faire face. Un balado Radio-Canada, audio.